Vas-y, on peut continuer l'histoire du coup. Parce que j'ai essayé de faire ça tout à l'heure et puis j'ai été interrompu par cet éleveur de volailles. Ah, c'est loin, 1 km! Mais non. Ah ouais? Moi J'ai du vol là. je te dis, c'est loin. Putain, comment je suis plus rapide avec Gouloula? le truc Grappin? là? Non, le parachute. Parapente? Gouloula? Le parapente. Eh merde! Je suis tellement haut dans le ciel que je vois le ciel. Putain, j'ai ça, mais j'ai regardé des critiques sur le jeu là de par des critiqueurs, des critiques jeux vidéo là. Ouais. Ils ont rien dit de mal sur le jeu. Enfin, ils ont pas rien dit de mal, mais. Vas-y, moi je veux de la violence, moi. Bah en soi, il a pas tellement de trucs mauvais Genre, à en gros, il part disait quoi? Il disait que je sais pas. les persos secondaires, on a rien à foutre. Ouais, ça c'est vrai. Que les dialogues parfois ils sont chelous. Ensuite, que ouais, le jeu est buggé sur certains aspects. Enfin, ouais, il y a plein de bugs. Non, en gros, il y a plein de bugs. Enfin, ça, c'est normal, hein. Ouais. C'était Cland, C'était clown. hein. Il y a quoi? Ah, je sais plus. Ah, ouais, si la barre d'endurance est cassée couille. Ça sert à rien, juste à faire chier. Ouais, ça va, je trouve. En fait, quand t'as Bah, dans bien le 1, en augmenté, fait, au dans bout le d'un 1, il n'y avait moment. pas. Si, il y avait. Non, il n'y avait pas. Si, il y avait une barre d'endurance. Hein. Si, il y avait, mais genre, en gros. Là, Peut-être c'est qu'on barre pouvait pas d'endurance sur tous tes l'améliorer. mouvements, genre. Ouais, voilà. Mais il y Alors que avait là, quand même barre c'est. d'endurance pour escalade, quoi. Je crois pas, hein. Ah ouais? Moi, j'avais le Non. souvenir d'une barre jaune là, en plein milieu. Enfin, Je crois que c'était pour le combat, je crois. tout dans le jeu Ouais, était c'est pour le jaune dans tous combat. les cas. Ah, que le combat? Même pas Je crois que c'est escalade? que combat. Ah, bizarre. Je sais pas, j'ai un souvenir erroné. Érotique. Un souvenir érotique. J'ai activé une barrière électrique. Oh, ça m'a mis Électrocuté. midlife. Eh. Ah, mais c'est violent. De ouf. T'as tué tous les zombies qui sont proches. Même ceux qui sont pas dessus. Ça les attire? Non, mais genre, ça les. Ça prend tous les zombies vraiment à proximité, quoi. Oh, c'est stylé, hein. C'est Ah, j'ai bien fait de stylé. pacificateur, hein. Ouais. Apparemment, le choix des survivants pacificateurs, ça a juste changé sur la fin, quoi. Bah je me doute ouais mais c'est un peu dommage. Ça ce serait peut-être un des aspects négatifs genre que nos choix ont pas vraiment d'impact sauf sur la cinématique de fin quoi. Aussi, le temps de jeu, c'est pas 500 heures, hein, c'est 20 heures. Pour l'histoire, oui. Ouais. Bah oui, mais ça il l'avait dit dès le début. Non, dans le truc promotionnel, ils ont dit 500 heures Ouais, mais de genre temps de une jeu. journée après, ils ont dit en fait c'est pour finir à 100%. Non, ils ont même pas. Ils ont dit en gros. Ils ont dit en gros, ouais, 500 heures si tu veux recommencer le jeu et faire Scénario? différents choix, je sais pas quoi, ouais. Oh, j'ai un Bah, c'est bâtiment la qui a merde. disparu. Ah non, c'est des ombres. Y a pas Ouais, un d'ombre ici. bâtiment de greux. Grrr. Grrr. Du coup, c'est passé, il est chaud quoi, le jeu. Non. Bah en fait, il est pas si loin de nous. Il nous a rattrapé super vite en fait. Enfin, faut dire qu'on n'a pas beaucoup joué. Mais en fait, je lui ai filé une arme de mon niveau. Du coup, il a pu avancer assez rapidement. Je crois il est pile au moment où on vient d'avoir le parapente. Donc en soi, ça va. Putain, mais là où on doit aller, c'est en dehors de Ouais, la ville, ça, c'est quoi ça? c'est au garage. Tout. Putain, en vrai, j'aimerais trop être. Je sais pas pourquoi j'aime trop la pluie et le vent. Prends pour qui en fait? Pardon? Donnez-moi votre carnet. Tout à l'heure, j'étais en train de faire le montage sur les épisodes précédents. Et j'ai découpé tous les passages où on entendait un nom et un prénom. Quel gâtier. Merde! Bon, bah, encore du montage quoi.
Ne verra jamais, frère. T'es là, tu commentes tes publications. Non, Ouais, sur la mais. piscine. Si un jour elle cherche des embrouilles, comme ça, elle pourra pas dire, ils ont parlé de moi et tout. T'es notre poufiasse. Excusez-moi. Tu vois, comme ça, on fait pas de diffamation. Oh putain, je suis dans une zone chimique! Parce qu'encore, Chimique! t'aurais dit que le prénom, j'aurais laissé. Mais il a dit son Camille Gatier, prénom, quelle école elle son était. âge, lycée Gustave Eiffel, la seconde. En français, non, en maths, elle était tout derrière à gauche. Elle était juste dans son. Oui, mais ça va parce que tu disais juste qu'elle était très gentille. Donc. Très fraîche, très fraîche. Oui, voilà, mais après les goûts et les Très belle. couleurs, ça veut rien Très dire. gothique, en mode gothique, les gars. On peut. On peut trouver que quelqu'un est, voilà, bien habillé et tout. En mode gothique, les mecs. Attention. Allez! Eh, heureusement que sur le pont, maintenant, ils ont mis des passerelles, hein. J'aurais pété un câble. Je suis retourné l'autre fois pour voir un peu là. Alors, la voiture de Popo de Lilis. D'ailleurs, j'étais au stade. Il y avait des mecs, ils avaient ramené leur meuf. Là, t'es allé au stade pendant 10 minutes. Non, j'ai fait une 60 et après, bah, je suis parti parce qu'il y avait les petits qui revenaient pour faire leur stage là. Stage. Ouais, bah, toutes les vacances, il y a les petits. C'est encore les vacances là? Oh, bah oui. Jusqu'à la semaine prochaine, c'est encore vacances et après, voilà. Tu dis bah oui, moi je sais pas, moi je suis pas, pas d'île de France, moi. Oh! On parle bien de l'île de France, hein. Ouais, Stade j'ai encore pris le Ternatal. mauvais chemin. Oh! Erabidou! Qu'est-ce que tu vas Oh, me le faire, pont. Erabidou? Mais j'aimerais que tu me Regarde, suces. regarde. Ouais. Sergio Ramos. Tac, le blessé. Oh! C'est faire. Oh là là, trop fort. Regarde, gaga, gaga. Hop! Et après ça! Un saut après le. Wow, tu t'es. Non, 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 tu cheats, tu cheats. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça! Par contre, le problème quand ce jeu il fait gris ou quoi, ou qu'il y a trop de soleil, ils veulent trop faire un effet contre-jour. Regarde, regarde, Assassin's Creed. Waouh! Vision d'aigle. Attends, attends. Alors, Eagle. Eagle, c'est un défect. MP3. C'est dommage qu'il n'y a rien pour sauter ici. Une petite poubelle ou. Faut aller où là? Faut descendre. En fait, c'est pas vraiment vers le garage, mais tu vois, c'est dans cette zone-là en gros. Il faut aller vers un pont. Je crois que c'est un barrage en fait. Mais en fait, Je c'est suis pas hyper sur le sol, chimique. je me fais des. Je crois Des. il faut grappiner, mais je suis pas sûr. Je sais pas, moi j'ai cheaté. Mais putain, il est à 100 mètres! Moi, j'ai fait un saut, hein. Ah ouais? Oh waouh! Mickey Rourke. Putain, bah comment je fais moi du coup? Parce que c'est jaune partout là. Ils ont pissé partout. Tu vas dans l'eau. Plus chocolaté. Exactement. C'est plus hydraté. Non, dis, je vais essayer de trouver un passage parce que là, je glisse. Allez, ça glisse au Au pays pays des des merveilles. merveilles. Tu connais déjà une. Est-ce que tu connais une Alice qui est pas fraîche? Je connais Que pas moi, non. d'Alice. Comme ça c'est Moi réglé. non plus, mais j'en ai connu, mais. Je sais que mon Toute frère est fraîche, sorti avec une Alice, mais c'est tout. hein. Oh, ouais. Oh mais je suis bloqué! Jeu de merde. Tais-toi, tais-toi, tais-toi! Ah, j'avais pas vu. Eh oui, cheater! Ah oui. À moi, tous les jours. Mais Allez, apparemment, note! leur entraînement, il finit à 16h30. J'espère qu'il y aura un peu de gens.
Oh, une note. Ah, j'ai pas eu le temps de la ramasser. Ah ouais, j'ai pris. Oui, mais seulement pour arriver jusqu'ici. Aitor, il cherchait à faire le bien au vieux Vildor. Aitor. Mais la haine entre le bazar et les pacificateurs a pris trop d'importance. C'était devenu une véritable poudrière. Et ces renégats. Aitor. Pourquoi ils cherchent? Probablement pour le même motif que toi, pour accéder à la base de données du GRN. Qu'est-ce que tu comptes en tirer, Aiden? Pourquoi es-tu prêt à risquer autant? Faire confiance à Véronica ou ne pas lui faire confiance? Je la connais pas, frère. Je fais pas confiance. Non. Moi, je lui fais confiance. Prisonnière. Ça fait 15 ans que je l'ai pas vue. Une prisonnière? Tu veux dire un de leurs cobayes? Je sais pas. Elle est la seule famille qui me reste. La seule réponse à ce que Waltz nous a fait. Waltz? Il nous y retenait. Eh ouais. Qui prenait plaisir à expérimenter sur des enfants. Est-ce que vous étiez au courant? Je n'occupais qu'à... Continuez à écouter du son. Je suis désolée. Oh. T'as besoin de savoir autre chose? Pourquoi tu m'aides? Toi aussi, tu cherches quelque chose dans la base de données? Aiden, ces chambres fortes contiennent les plus grands secrets de mon organisation. Je suis presque morte, car je faisais partie. Je dois découvrir ce qu'ils cachaient. Et si tu n'es pas ce que tu vas découvrir? Ils ne tentent rien à rien. Oh, putain. Comment le médecin du GRE a-t-il fini dans le bazar? En ne disant à personne que j'avais... Tu vois, c'était sûr que c'était celle qui se cachait là vers... Après la révolution. Vers le fond. T'as étudié, faut pas lui faire confiance. Ouais, mais Sophie, elle lui fait ses pas confiance. Et vu qu'on a trahi Sophie, et ben on peut lui faire confiance. Les ennemis sont les amis. Soulager leur peine. Même si ça marchait pas. Il est arrivé ce qui devait arriver. Dog, bye. Désormais, je suis quelqu'un. Oh, mais Sophie, elle est fraîche. Sophie vient. Oui, mais Sophie, elle va mourir dans tous les cas. Dans l'observatoire. Non, mais on va la sauver. Non, on va tous étudier sous elle. De sécurité qui mène au complexe. Et si elle nous aime pas, bon, on l'attache. Ah, lui donne la clé. Non, donne pas. Ah, elle nous regarde en mode. Tu es sûr que la clé fonctionne? Elle fonctionnait avant. Le problème vient peut-être du manque d'électricité du bâtiment. Est-ce qu'il y a un autre moyen d'y entrer? Tout dépend de ce qu'on est prêt à risquer. Un paquet, si tu veux mon avis. Bien. Viens avec moi. Je vais te montrer quelque chose. Oh! Attends, faut que je ferme les rideaux, je vois rien. Il y a trop de lumière. Je vois rien, je vois rien. Ah bah elle est revenue. Elle est repartie. La droite, elle a vu... Ah, cul-sac! Ils aiment trop faire ça. Je crois qu'il faut appuyer sur le bouton là. Ah oui, c'est la bombe nucléaire. Faut appuyer. Appuie. J'arrive pas. Allez, regarde. J'arrive pas. Il y a des bombes de traction. Ah ouais. Ouais. Regarde. On est... Wesh. Tu tiens quoi au niveau des jambes là? Je sais pas. Bah, rien du tout, du coup, regarde. Oh, putain, les abdos. Mur invisible. Mur invisible. Les abdos. Je suis plus dur que le mur, mec. T'as les abdos d'un. Eh, clairement. Ah, clairement. Ah, je suis tombé. Y'a quoi dehors? Ah, c'est le canal. Je suis pas tombé. Cap Canavera. Capcan. Capcan en Aveyron. Beaucoup nous n'avons. On vivait Véran. C'est où? Ah, ça va, c'est pas trop loin. Oh, on va aller dans la zone déchue là. Merde, y a du pesticide partout. Ouais, on est en Ukraine ou quoi là? Eh bah oui. C'est En fait, Techland ils sont c'est ukrainiens. Aranif. C'est Aran Shivkov quoi. C'est la manif. Ah, ça pique les pieds. C'est bon. J'ai réussi. J'ai les chaussures confondues. Les chaussures. Faut aller où là? Faut lui parler. Mais je vais mourir. Mais non. You won't die. Mais si, je vais mourir. Tu vois? Ah, mais elle est là. T'es pas mort.
T'es pas mouru, Ulan. Ah, mais elle fait trop la meuf. Tu vois les dômes? Dôme. Oui. Ouais, mais le coin est inondé de produits chimiques. Le GRE avait une solution à ça. Quand ils ont créé le THV Genmod, ils ont dû protéger leurs employés contre l'exposition. GRE. Le THV quoi? Les produits chimiques. Ils étaient chargés en agents bloqueurs, des doses qui devaient protéger leurs travailleurs pendant quelques minutes contre les vapeurs. Heureusement, j'ai encore des doses. J'avais l'impression qu'elles seraient utiles un jour ou l'autre. Elles sont très rares. Pour l'instant, il ne nous en faut qu'une seule. Pourquoi ? C'est écrit quoi à gauche ? Pourquoi pour moi ? Pourquoi ? Je sais pas. Ah bah on y va je crois, on a pas le choix. Voilà, fais ton gros. Quand tu y seras. Ah, elle est fraîche en vrai hein. N'oublie pas que la dose te protège vrai, contre les produits chimiques pour. Moi tu lui mets un peu de maquillage. Je peux pas prendre l'autre. Tu la soignes. Non, pas en ça me rappelle le truc qu'elle vient de faire là. Quand j'étais chez la tatoueuse là. J'avais le bras tendu et des fois j'avais la poitrine qui touchait ma main. Elle était fraîche. Tout à l'heure, je passe à côté d'un tatoueur là dans ma ville. Est-ce que je vais me faire tatouer moi? Une grosse pute de chien. J'hésite. C'est vrai, tu vas faire quoi? Allez, vas-y. La jambe bloquée bah, je sais pas. Fonctionne. Bah, ça, c'est un coup de tête. Hein. Si t'hésites, tu fais pas justement. Non, mais j'hésite. Je pense que je vais me faire tatouer, mais pas tout de suite. T'as tout ton visage comme Steve-O. La jambe bloqueur fonctionne. Oh, 5 secondes! Non, 1 minute. Raconte. Mais comment on fait? Ah ça va, on craint rien. J'écoute jamais dans les cinématiques, c'est pour ça. Bah il y a 2 secondes je prenais. Ouais mais c'est parce qu'elle nous a mis un truc dans le bras et... Ah ça veut dire on est invincible, c'est incroyable. Pendant pas longtemps. Comment on monte? Montez putain. Mais monte putain. Bon, c'est mort, on a perdu. 16 secondes, ah ouais. C'est chaud. Bah non, je cherche par où faut monter. Ah oui, 6 secondes, c'est perdu, effectivement. Ah, t'es tombé comme une merde. C'est bon. Oh, vous avez été trop lent. C'est une grosse merde. En même temps, c'est pas bien indiqué quand il y a un chrono là. Il devrait mettre un gros compteur au milieu. L'agent bloqueur fonctionne. Un mec obèse qui raconte des histoires, un gros compteur. Oh, j'ai mis une vitesse. Dôme dépôt. Mais tu triches, toi, tu passes par l'autre côté. Moi, je fais le legit. Pascal legit. Ah ouais? Ah ouais? Comment on fait maintenant? Je suis tombé. Je suis tombé de l'autre côté. On est pas plus avancé hein. Ah si c'est là. J'avais pas vu. C'est sur la gauche. Putain, à chaque fois c'est saut, à la droite, à la gauche. Ils me font serrer le cul. C'est bon. Attention, dysfonctionnement du circuit d'alimentation. Ouais j'ai eu un trophée. C'est où sur la. Anapine ou Véronica, tu as réussi à passer les produits chimiques du premier dôme. Génial. Rends-toi au deuxième dôme. Bah évidemment. Oh, je m'en. Une trappe ou ce qui pourra te mener en bas. D'accord. Afro trap. French trap. Bretagne trap. Pourquoi j'arrive pas à... Mais fais. Les putains de cordes là, les putains de grappins de mes couilles là. Oh oh oh. Comment tu parles à ton grappin mes là? Couilles frère. Voilà. Oh une trappe. Elle a pas menti, il y avait une trappe. Véronica, j'ai trouvé l'entrée, pour l'instant tout va bien. Au fait, comment tu connais cet endroit aussi bien? Comment tu t'appelles en fait? Je suis venue qu'une seule fois, il y a longtemps. Mais j'ai une bonne mémoire. Ouais, c'est pratique. Véronica, tu peux arrêter de mentir ouais, s'il te plaît? C'est parfois une malédiction. Vraiment. Excuse-nous.
C'est à l'intérieur qu'il faut aller? Je suis dehors, putain. On t'attend en fait. Non mais descends. On t'attend en fait. Oh c'est quoi ça? On peut pas l'activer. On peut pas descendre plus bas que ça. Par où on descend? Bah, elle m'a fait ouvrir la trappe pour rien là-haut. Qu'est-ce qu'il a cru que j'étais qui là? C'est en bas, t'es sûr? T'es sûr? Je sais pas les trucs. Si je descends et que c'est pas en bas, ça a chauffé pour une matricule. Mais ici il y a une porte, je comprends pas. Elle m'aurait pas fait descendre pour rien. Ah non, c'est là. Ah. C'est plus logique. T'es plus malin avec tes mains. Ah, tu cours vite, hein. Vitesse, mec. Attention, wow. Ah, c'est marrant, t'as pas sauté au premier. C'est marrant, ça. C'est marrant, j'avais pas vu ce coffre. Ah, j'ai plus de place. Là, c'est sur ce saut, là, je l'ai raté. Sauce raté, que j'aime ta couleur raté. Alors 110, ah c'est pas assez comme dégâts ça. Ta grand-mère ce jeu de merde. Ça je jette. 100. Oh, un bouton pour me faire TP là, parce que ça me casse les couilles. J'ai jeté deux battes. Guillaume Bats, peut-être là en descendant. Oh, j'ai failli mourir. Alors là. On aurait été dans de beaux draps. Eh ben, résistance au truc de chimique, ça a disparu. Oh. On est plus invincible. We have to verifier the door. Véronica, il y a une horde d'infectés ici. Je crois des zombies. Hein. Merde. Ouvre. Oh, mais t'as triché, t'es déjà là. Ben, je sais pas si je vais pouvoir passer. Utilise la torche UV de ta ceinture. Ça devrait suffire à les tenir éloignés. Je pense pas. Surtout pas. Moi, c'est avec j'ai. Oh la connasse. Et après, faut aller où? Je sais pas. Ah, bon. C'était à gauche. Sauter. 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 Oh, tomber. C'est facile, en vrai. Ouais. C'était facile. Oh mais vas-y, on est trop cheaté en fait. Ouais, ça va être fermé. Crostage difficile. Mais non, crostage. Protège-moi. Ouais, j'ai one shot, très bien. J'ai plus beaucoup d'électricité dans ma lampe. Ah, on est vraiment des gugus, on voit une échelle, on monte. Oh, y'a quoi ici? C'est wow, bloqué. C'est là. Alors, BEP électricien. Waouh! C'est nous. Ils te regardent very well. Ah, ils s'en foutent. Le gros. Ah si, t'es obligé de mourir. Le courant est rétabli. Ah, mais un gros. Génial. Allez. Le tunnel de sécurité est ouvert. Je vais essayer de prendre l'ascenseur pour te rejoindre. Voilà. Cet endroit était une vraie ruche, bourrée d'infectés. Moi, il est mort, le gros, là. Je me suis débarrassé. Oui. Oh, c'était des êtres humains. Du coup, on peut pas le looter. Quelle électricité. Ouais, je m'en fous, j'y vais. Hein. Là, j'ai looté, alors, putain. J'ai chuté. Hop, y'a plus d'électricité. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai raté mon saut. C'est délicieux, ce quoi. Je vois.
Je crois que le fusible a sauté. Je vais voir ça. Ah merde, faut y retourner. Vite, je t'en prie. Je ne comprends pas là. Je vais m'en occuper. Désormais l'électricité. Mais je sais même pas où faut aller. Moi j'en sais là parce que. Ah, ouah, il fait tout sombre. J'ai peur. S'il te plaît, ne me laisse pas ici. Ah non, c'est pas là. Ne t'en fais pas. Attends, l'objectif. J'ai juste besoin d'un moment. Trouver un moyen de rétablir le courant. Ne me laisse pas ici. Je sais pas où faut aller. Hein. Bah, faut y aller en fait. J'ai peur. Bah, ah si, il faut faire ça là. Faut connecter des trucs de couleur encore. Oh, mais c'est une bite, ça s'est enlevé. Oh mon dieu! Pitié! Pitié, je vais sortir de là! Ça fait tout le temps ça. Je suis là, j'apprends, j'ai un bac pro. Bac pro électricien. Est-ce qu'elle peut vraiment mourir ou. J'y travaille. Parce que là, on a pas de chrono donc. Je suis pas en train de me tourner les pouces, Véronica. Ah si, je suis en train de déverrouiller un coffre. Essaie de respirer, lentement. Je me tourne les pouces là. Me laisse pas. Me laisse pas ici. Ça sert à rien de crier, hormis à tirer désinfecté. Calme-toi, je vais pas te laisser tomber. Calm down. You calm down. Ah bah t'as réussi. Attends, non. Faut pas que je passe par là. Ouah! Faut que tu grappines, non? Je crois. Ouais, ça m'a fait un truc bizarre. Vas-y, va chercher le truc. Oh, attends, je vais tester un. Est-ce qu'on peut grappiner même? Oh, bah, je teste. Ouais, on peut. Ouais, faut grappiner. Ah! Oh, c'est bon. J'ai eu peur. C'est grâce au faux plafond. Et moi j'ai plus de son là, j'ai que le son. Y'a plus de sound effect là. Moi j'ai la meuf qui fait. Moi j'ai que l'ambiance du bâtiment, c'est tout. Ah oui, maintenant y'a plus rien. Ah c'est bon. Y'a quoi à déverrouiller ici là, les petits cocos? Coco poussé! Dans les salles d'avant y'a un coffre. Ah bah là aussi. Putain, y'en a plein! Mais en fait, on est tellement récompensé dans l'histoire, c'est abusé. Perso, j'en ai rien à foutre. Ok. Parce que tu veux pas faire le 100%? Non, pas tellement. Putain, il doit être chaud le 100%. Rien que les défis de course là et tout. Oh, j'ai de l'urine. Une hache de fortune. J'ai plus de place, j'ai trop d'armes. Zamsoul! Je suis obligé de jeter des armes maintenant. J'enlève des armes de merde là parce que. J'enlève les armes qui sont cassées. Cassées! Cassées! 119, 118, 115, 114. Bon, allez, ça. Allez, host! 88, qu'est-ce que tu fous là toi? Ah, c'était un arc. Encore un autre arc. Allez, dégage. On veut pas d'arc nous. Ah, j'ai tombé dans la flotte. Ça fait. Ça va. Ah, ça me saoule. Oui. Cours moins vite. Cours pas dans les couloirs. Mon gars, j'ai le laser dans les mains. On bat les couilles, moi. Balayette laser. Ah, tous les casiers, t'as pas fouillé. You didn't fouiller. Bah, y'a pas grand chose. Mais quand même, pour le principe. T'as même pas tout ouvert, ce truc du cul. Ah ouais, j'ai choisi un côté quoi. Zoom. Ah ah.
Oh, je vais faire de la thune avec tout ça, c'est incroyable. Chiche. Ok, ça c'est fait. Oh, c'est bon, je crois. C'est pas bon, c'est pas bon. Pas bon. Pas bon, c'est pas bon. Putain. Le match de ce matin, il était fou. Heureusement, je me suis pas réveillé pour rien. Oh, tu glisses. Je me suis réveillé, il y avait 1-0. Je vais me coucher, il y avait 5-0. On est trop fort. Eh, hey, tu vas bien? Tu vois? Je t'avais dit que tout allait bien se passer. Elle est claustro. Allez, entre. J'ai plus le son, c'est incroyable. Ça doit être très bien comme ambiance. Eh non, mais c'est éclaté là, y'a rien là. Je sais pas ce qui se passe. La moi j'essaie de la calmer parce que là je sens plus rien. Une seconde. Je sens qu'elle est énervée. Sous le pied. Il faut encore descendre. 6 étages plus bas. Oh, ça me fait pas peur, 6 étages. Hein. J'ai monté 5 étages. T'as ouais. T'as toujours été claustro? À ton avis? Non. Ça fait plus de 10 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hayden, nom de Dieu. Ah bah t'as quitté la partie. Ah non, c'est moi. Oh, je suis des... Mais non! C'est assez... Putain. High-tech. Ça à cause avant de l'autre qui touche à la fibre optique là qui est dehors. Ce complexe était tenu par l'armée. Ils y supervisaient les menaces potentielles. Et je peux même pas comme les bombardements. C'est pour ça qu'ils l'appelaient l'observatoire. C'est alors que le virus a déferlé. Et c'était fini. Et au final, il s'est passé quoi ici? Eh bien, le GRE a perdu le contrôle de la situation. Et tout s'est écroulé. Un véritable enfer. Que je sache, les scientifiques s'y sont barricadés entre eux. Mais très vite... Les conditions sont devenues aussi mauvaises qu'en ville. Certains hommes ont alors décidé de s'échapper. Et ceux qui sont restés... sont ceux que tu as éliminés tout à l'heure. C'est donc l'armée qui dirigeait tout ça avant le GRE? Oui. C'était un bunker de commandement à l'époque de la guerre froide. La guerre froide? Une période du siècle dernier. À l'époque, les guerres se livraient à plus grande échelle. On gérait au jour le jour nos besoins, avoir assez d'eau, et de quoi grignoter. Mais... Mess. Oh putain, je peux pas inviter... Ils aiment trop toucher à la borne extérieure, les mecs. Tu te battes contre lui ou quoi? C'était bah, un peu non. Comme aujourd'hui. Je suis en short. Le peuple vivait chaque jour dans la peur constante. Ça garde mes genoux bien au frais, mais quand même. Alors, elle dit que, en gros, le virus a déferlé et que les gens ont eu peur. Une sacrée histoire. Et on lui dit que c'est une on histoire intéressante. Ces endroits des témoins de l'histoire. Ouais, c'est bizarre, mais attends, mais même là dans mon. Dans ma partie solo, là, j'ai plus de son dans le jeu. Super. Plus de lumière encore. Attends. Plus de lumière. Je vais trouver quelque chose. Il dit qu'il va trouver quelque chose. Truc improbable. Si. Ok, je réessaye. Ah, j'ai un trophée après la chute. Bon, c'est le jeu. Après la chute, y a plus de chute. Tac. Invité. Ah, voilà, c'est bon. It works. Oh, merde. Il y avait l'électricité ici. On pourrait alimenter tout l'étage. Bon, en fait, on est arrivé à l'étage qu'elle voulait. Babagongé. Oh, c'est un crochetage difficile. J'ai plus que 84 crochets. Comment je vais faire?
Pourtant, il y a des jours, j'arrive à crocheter fastoche et des jours, non. Oui, je suis là. C'était au milieu en fait. Moi j'espère qu'il y a des trucs rares. Mais tout ça pour ça, de la morphine. Et c'est rare. Moi j'ai une thèse de secouriste. Je ne suis pas fan du noir. C'est bon. Oh. C'est pas bien. Pas bien ce qu'elle a dit. On doit trouver comment ouvrir ces portes. On change de veste. Peut-être de l'autre côté. Ils aiment trop ce truc de câble. Alors. Ah oui, il faut le mettre là-bas. Ah, quand t'as une, c'est en haut. Oh bah non, j'ai encore pas dit mon pari. J'ai A, mais. Vous, la vitesse. Y'a rien en haut, frère. Eh. Ah bon? Si, y'a un passage là. Ah ouais. Attends, bouge pas. J'y vais en premier, j'y vais. Je te dis c'est là. De toute façon, je crois que j'ai plus assez de câbles. C'est un peu étroit ici. J'ai plus que 2 mètres. Ah, je suis pendu. Oh, j'ai. Putain! Bingo! Quoi? J'ai crash. Oh. Shit game. Shit. C'est ta faute, Camille Gatier. En plus, il va falloir que je me rappelle de tous les passages où il a dit son nom. Singe. Ou. Singe, monkey sound effect. Singe, eagle sound effect. C'est Shrek. Lan, vu que vous êtes là à rien faire, on peut avoir votre rugissement d'ogre. Faites ton brin. C'est ce gros bouboule là. C'est raciste. Putain, j'ai reçu mon test PCR là. Putain, je suis négatif. C'est pas une race d'être gros. Ah ouais? Et bah, Sébastien, il est positif. Ah ouais? Ouais. Il m'a dit j'ai fait une soirée. J'ai fait une soirée avec deux potes et depuis je suis positif. Après genre tu sais j'ai fait je dois bouger au stade. Bon, il fait vas-y on rejoue hein. Je dis bah vas-y. t'as le Covid en forêt. Il me dit mais après quand je serai plus positif ouais, faudra qu'on se capte. Je dis ouais moi je sors pas trop. C'est vrai en plus. C'est raciste hein, c'est raciste. Ah non mais moi je sors pas. Ouais si tu vas aller au stade. Oh. Va maintenant. Ok, y a plus qu'à brancher ce câble. T'es pas sorti avec un mec qui a le Covid. T'es pas sorti avec un mec tout court. T'es homophobe en fait. Non mais c'est ça en fait. Il y a des nouveaux coachs en plus au stade. J'ai parlé avec un des entraîneurs, il était sympa. Continue de me parler. Par rapport aux anciens. Tu m'aides réellement. Non. Tu prends un sacré risque. Ah bah c'est Kevin lui. Mais y a plein de coachs noirs maintenant. Tiens bon, je vais gagner, c'est ça, hein. c'est ça qui fait marcher. Maintenant, il y a des bannières et tout, enfin des trucs de publicité le long du stade. Jure. Ouais, mais pas beaucoup, tu vois, mais. Vas-y, envoie en photo. Tu seras à voir. Si j'y pop. Oh là là, tu auras tout le loot, c'est incroyable. Des kits de soins. Des tissus, des trucs que je sais même pas ce que c'est. Putain, la soirée de malade, on a eu le Covid. Soirée de malade avec Seb. Avec Seb. Seb. Seba. Seb. C'est couché. Pour combien tu couches avec personne? Ouah, c'est chaud hein, comme réponse. Alors, gratos. Ok, et pour combien tu te fais mettre un coton-tige dans le nez? Genre profond, tu vois. Gratos.
Oh la vache! Eh ouais, j'ai pas peur moi. Moi je paye pour ça moi. Je paierai pour ça. Tu payes? Je paierai pour ça moi, direct. Mais qu'est-ce qui t'empêche de donner 2€ à chaque test? J'avoue, hein. C'est du qui donne. Je suis dans des conduits là. D'ailleurs, je suis au labo. Labo? Et la meuf. Elle me dit, ouais, je peux voir. Est-ce que vous avez votre passe sanitaire? Je fais, ouais. Elle dit, vous pouvez me montrer. Je lui montre le QR code, elle a regardé avec les yeux, elle fait, ok, c'est bon. Genre, moi, c'est juste, ça fait. Reading QR code, je sais pas quoi. Ah, ouais, elle a scanné avec ses yeux, ouais. Ah, ouais. Ah, ils sont doués, hein, ils sont doués. C'est pas des bacs S pour rien. Hein. C'est sûr. C'est encore moins dupe. Ouais. Pourtant, moi, je le suis pas. Non, eux, laisse tomber. Quoi? Pourtant, moi, je ne suis pas dupe. Hein. Mais eux, laisse tomber, comme ils sont encore moins que moi. Eh, pourtant, moi, je suis dupe. Mais alors, eux, ouais, ils le sont dupe, pas du tout. Non, attends, tu l'es, par contre. Oui, moi, je le suis. Moi, j'adore. Fais le dupe, tout ça. Ronald Dinier, machin chouette. Rien à foutre. J'avais pas ouvert cette arme. Hein. Faut voir ça? Moi j'ai pas l'air. Voyage rapide. Non. Aucune limite à mon... Bon, j'attends que tu fouilles les coffres, là, ou quoi? Je suis où, là? Tu es à Ville d'Or. Ah, t'es noir? Oui. Ah, mais elle est grise. Gris. Ah, mais c'est que cette épée, cette mousse, incroyable. Tous les trucs. Ouais, il y a plein de trucs en fait. Ce serait trop long de dire. Alors, ici, là, et puis là-bas aussi. Comment t'as fait pour aller là? Tiche! Je sais pas s'il y a des trucs dans cette direction. Sûrement que oui. Ah, bah oui, j'ai déjà fouillé. Cafouillage. Il y a cafouillage dans la surface. Des poubelles de toilettes à la recherche de tampons. Des poubelles tampons de usagés à la recherche de coton-tige. De tampons pour infusion dans mon thé du soir. Ah, cette vidéo de malheur. Ah oui. Oublié. Ah non, je crois que j'ai pas vu. Si. Quelle vidéo? Ah. Attends, quelle vidéo? Parce que j'ai vu une vidéo comme ça, mais c'est pas, c'était pas avec toi. Celle qui inspire là. C'est pas, une vidéo dégueu, je suis là alors. Non. Oh, y a des zombies. Non, parce qu'un jour, je me rappelle. Écoute, regarde-moi quand je te parle. Des zombies. Regarde-moi. Oh, t'es une taupe, sale taupe. Écoute, un jour, j'étais sur un site scat, tu vois. Ah! Mais c'est ouais. Une vidéo comme ça, tu vois. Genre le mec comme ça. Sort le tampax. Comme ça là, du des fesses, comme ça là. Comme ça. Et là, il l'a mis dans un verre. Après, il a mis de l'eau. Après, attends, il le sortait de lui-même. Non, il a pris de sa meuf. Hein. Après, il l'a infusé dans l'eau, il l'a bu. Oh. Ah. Ah regarde, c'était horrible. Putain, je vais plus jamais boire un thé rouge comme avant. Depuis quand je vois un tampax, c'est tombé. Je pense à du thé. Un tampax usagé. Ouais, ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Comme dans ma licence. On y va? Oui. Quoi? Finissons-en et après on se tire. Hein? T'as dit quoi? Dans mon école là, dans ma licence à Paris. Ouais, j'ai bien entendu. Genre faut monter genre 3 étages je crois. Ouais, 3 étages. Ouais. Vraiment devant l'ascenseur. Pas,
Il y avait un tampax usagé par terre. Ce qui est arrivé à ta sœur. Oh, tout ce que j'ai. Mais... Et tes parents? Je me souviens. Enfin, mais qu'est-ce qu'elle est lente. Après, les filles, elles vont dire, mais c'est pas sale en fait. Conformer une bonne. Mais c'est du sang. J'ai vu du sang, quoi. Petit... Bah moi, déjà, j'aime pas le sang. Alors là. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Eh ben. Je sais pas vraiment. Blocus, blocus, je la bloque. On est tous différents. Et on la bloque. Ah. On sait tous. Elle m'a bloqué. Je suis Keblo. Moi-même. Allez. Oh, t'as esquivé. Bah alors... Esquive. Non, bah, c'est moi. La muraille de Chine. La muraille de Aran. 3 nuits par semaine. C'est moi, Keblo. Alors, t'es scientifique? Bah non, c'est DP. Alors, t'as un bac S? T'es trop dupe. J'ai senti le laser, c'est bon, je suis énervé. Danse. Danse, Poufias. Et t'as de la chance, j'ai pas d'explosif. Ah ouais, moi non plus. Arrête de me regarder comme ça. Là, t'as une tête de taupe, qu'est-ce que tu me racontes? Quoi? Moi? Moi? Tu vois les gens qui se prennent pour des chiens, qui sont des muselières bizarres. <C'est> pareil. Ouais. Pareil. Ouf. Ouf. Bah toi aussi, hein. T'as une muselière bleue, là. Allez, vas-y, viens au pied. Là, je suis en laisse. Oh, mais elle a atterri où elle voulait. Putain. Ça me vénère. C'est ici. Codasse. Ah, c'est trop. Je peux pas survivre à ça. Ah putain. Rouya. Quoi? Mais j'étais dans le mur. Et maintenant? Moi aussi. Le terminal est inactif. Le système de sécurité. Le tribunal. On est où là? À moi de jouer. À moi de jouer. Justement, je suis BTS électricien. Activer la salle des officiers. Il y a un bureau de sécurité. On pourrait essayer d'y contrôler le verrouillage des portes. Tu devrais pouvoir utiliser ta clé du GRE pour ça. T'en connais un paquet sur le bâtiment. Je t'en prie, mets la clé et sélectionne. Ah, j'aimerais trop un jeu où quand les mecs ils disent il faut faire ci, ils viennent avec nous et ils le font vraiment. Et pas juste ils disent ce qu'il faut faire, ils nous attendent, ils nous rejoignent. J'aime bien tuer les gens comme ça. The Weeknd. The Witcher. I fuck you in the dark! I fuck you in the light! You like my gun! I don't like a gun! I'm jealous of Lawan! I'm jealous of a gun! Ah bon? What? What do you mean by that? Déverrouiller le verrou, c'est ça? Déverrouiller le donut sucré au sucre. Marche! Il m'a préparé mon. Ouais, mais c'est un autre problème. Au sucre. Je suis coincé ici. Je dois trouver un moyen de sortir. Est-ce que je peux t'aider? Non, je pense pas. Reste où t'es. Reste où t'es, Lawan. Oh, excuse-moi. Véronica. Il confond toutes ces meufs. Mais pourquoi, pour une fois, elle allait nous aider, là? Le mec, il dit non. T'as toujours mal pensé au mec Simpson pour voir. Oupidesse. Marche. Est-ce que tu vas préparer mon donut sucré au sucre? Bart. Bah arrête, je l'ai là. Oh. Bon garçon. Frérot, c'est au merde. C'est fait. Wesh, t'as pas fait? Mais il veut pas. En fait, je suis sur l'aliment, mais ça me repousse le truc. Je vais faire une seconde, regarde. Allez, Fnex. Allez, Fnex. Allez, FedEx. Et on est sponsor FedEx, nous, ou pas? Les fesses de Cédrex.
Sex. X. Les fesses de psychopathe. Ou... PS5. Putain, j'aimerais trop avoir une PS5. Moi, sans plus, hein. Si, bien, moi, j'en ai marre de la 4. Avec qui jouer à la PS5? Mais peut-être qu'il y a un zombie. Et moi, je descends. C'est mon mère. Coup de laser. Ouais. Ah, mais c'est les collègues de Véronica, ça. Oui. On les a abîmés. C'est son tonton. Oh, il est bien posé. Super posé, même. Comment ils ont fait pour vivre 15 ans ici? Je sais pas. Ouais. Vous avez pas faim. Eh, hey, j'étais dégoûté tout à l'heure quand il a dit n'empêche qu'il était éleveur de poulets là. Putain, ça me dégoûte, je suis entouré de mecs comme ça là. De quoi quand t'es dégoûté quand il était éleveur? Bah ouais, parce que je lui dis ah ouais, tes poulets ils sont en plein air et tout. Il me dit non, ils sont en cage. J'ai fait ah. Bah, logique hein. Ouais, mais il a même pas honte. Chant. Pas le choix. T'écoutes. Déjà Louis il est bouché alors c'est de là. Ah ouais. Bah c'est ça la vraie vie. Ouais. Ah c'est son bureau. Ouais. Toi les diplômes. Le ventilo il a bougé tout seul. Véronica Ryan, directrice 2022. 7 février, j'étais là. Médecin du GRE intermédiaire, mon cul! On dirait le bureau de Véronica. Non. T'as pas été honnête avec moi, Véronica. Oh bah encore! Je t'ai dit! C'est qui ce garçon? Faut pas être confiant, c'est Nick Lowe, je m'en bats les couilles. Ah, en plus, elle a un enfant en roue. Elle sort de nulle part, c'est pas quoi. Une autre Véronica Ryan, directrice des laboratoires d'études. Je comptais. Tu l'as! On va se taper. Pourquoi tu m'aides? Tu travailles avec Waltz? On va te mêler. Même à l'époque, je m'y opposais. Non, jamais. Ah bah, bien sûr, je te crois. D'accord, je te crois. Mais t'étais au courant de ses expériences. Comment ils ont utilisé des enfants, ma sœur et moi? C'est pour ça que je suis là. Vibre ma sœur et moi. Je ne peux pas l'oublier. Tout ce qu'on a mais fait. Mais la meuf, à quel âge? Comment vous allez faire? Elle a 27 ans ou elle a 49 parce que... Sans aucun remède pour les soulager. Remède? On avait 5 ans, bordel de merde. Les jeunes enfants 5 ans, elle doit dire. Au virus. On y avait ah, là, au moins 50 piges, Véronica. Calcul mental. C'est pour ça qu'il faisait des expériences sur vous. Des expériences. Le monde avait besoin. C'est pas une excuse. Coup de laser dans le bide, là, c'est bon. Je suis désolé. Ah, et bah, je t'excuse. Ah. Ça en valait la peine. Connard. Avez-vous jamais approché d'un possible? Mais non, mais de toute façon, après, on va être obligé de mettre l'autre truc. Presque. Mais le virus a fini par atteindre le complexe. Ah. Ah. Alors, t'étais impliqué dans ces expériences? Non. Les tests bah, logique. Ont tous été effectués dans un laboratoire. Ici, on ne faisait que compiler les données et les recherches. J'étais là quand tout s'est passé. Ah. Les membres des équipes ont commencé à se transformer. Et la situation a vite dépassé. C'est bon, je suis pas Hitler, je suis que Goebbels, hein. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Nous étions en bon, on vous pardonne, venez aux États-Unis. On se cachait. Et on se faufilait entre ces couloirs obscurs et les. En ce moment, je regarde la série Hunters sur Prime. C'est pas mon mal. Fils. C'est un peu long, mais. Était là avec bah, c'est des juifs qui traquent les nazis. Paul. Oh, c'est nul. Il avait 5 ans. Et ils font la bagarre. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je m'en fous de son fils, frère, c'est bon. Qui menait à l'entrée principale. Mais il y a des gens et ils s'intéressent à l'histoire. Paul de m'attendre. Non, mais son fils, j'espère, il est mort. Je lui ai dit d'attendre que je m'assure que l'entrée est sûre. J'espère. Inch'Allah. Il ne voulait pas me lâcher. Il ne voulait pas me lâcher. À mon retour, il n'était plus là. Je m'étais absenté que 15 minutes. Que 15 minutes. Mais 15 minutes, c'est énorme, hein. Quoi cette merde indigne? J'ai passé la semaine suivante. Cette poufiasse. Enfin, c'est moi ton fils. C'est ma maman, Véronica. J'aurais dû ah, ça se trouve, hein. C'était qu'un gamin. Ouais.
Effrayée. Effrayée. Je suis désolé. Seule. T'essayes de non, je suis pas désolé, j'ai rien. J'aurais pu le savoir. Aucune peine, je nique ta race. Enfin. Il n'y a que, dans mes veines, il n'y a que de la glace. On a tous nos histoires passées. Aiden, il est encore plus sympa que moi, quoi. Il pardonne à tout le monde. Oh, c'est... Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ah, Jidi est plus sympa que moi. Ben, Jidi est plus sympa que moi. Ferme ta gueule. Mais c'est plus sympa que toi. Eh ben, eh ben. Même mon orteil est plus sympa que toi, Koda. Non, non. Ah, ton orteil qui saigne, là. Entends-moi ta grande gueule, hein. Ben voilà, je la bloque maintenant. On va voir si mon blocage il saigne. Tu le... Voilà. Allez-y, madame. Moi, je vous montre par où c'est. Par là. Ah bah, elle était bleue, hein. Ah putain, elle est en train de me goumer. Très lentement. Très lentement. Mais comment ça se fait? Ah. Oh, c'est là. Elle fait un défilé. Ah mais fais pas d'effort aussi. Pourquoi tu tapes dans le vide? Je tapais sur elle. Arrête de taper dans le vide. C'est comme ça qu'on fait, frère, c'est comme ça. Y'a plus d'eau au robinet. Ah bah alors.